Chers frères et sœurs, que le Christ ressuscité vous comble de sa paix. Le temps pascal est un temps de réjouissance, durant lequel Jésus ressuscité marche avec nous sur notre route, qui est parfois parsemée d'embûches et de misères. Mais heureusement, notre misère ne l'empêche pas de manifester sa toute-puissance dans nos vies et de veiller sur nous dans sa miséricorde. Chers amis, nous sommes appelés à témoigner de cette joie de ressuscité qui nous transfigure, comme l'affirme saint Pierre. Car nous savons que nous allons recevoir une récompense éternelle, le salut de nos âmes qui est l'aboutissement de notre foi. Laissons-nous donc transformer par l'Esprit afin que notre vie soit agréable au Seigneur et qu'elle porte du fruit pour le salut du monde. Bonne prière. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia, alléluia.
Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia, alléluia. Il nous a ressuscités avec lui dans la gloire. Alléluia, 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 alléluia. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. En Dieu, mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes terreurs il m'a délivré. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de honte. Un pauvre a crié et Dieu a entendu. Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur a établi son camp. Il entoure et délivre ceux qui le craignent. Goûtez et voyez que le Seigneur est doux. Bienheureux l'homme qui trouve en lui son âme. Saint du Seigneur, adorez le Seigneur. Ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les riches s'appauvrissent et ils ont faim. Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime des jours où il voit le bonheur? Que ta langue se garde du mal et tes lèvres du mensonge. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la toujours. Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal, pour effacer de la terre leurs souvenirs. Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment. Il tend l'oreille vers ceux qui la plaignent. Ils ont crié, le Seigneur a entendu. De la détresse, il les a délivrés. Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré. Il vient sauver ceux dont la vie est brisée. Tant de fois le malheur a éprouvé le juste, mais toujours le Seigneur l'a délivré. Il veille sur lui et garde tous ses os, pas un seul ne sera brisé. Le mal fera mourir le méchant. Lui qui avait pris en haine le juste, il sera condamné.
Seigneur achète la vie de ses serviteurs. En lui, ils ont cherché refuge, ils ne seront pas condamnés. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre bagarre est immolée. Alléluia, alléluia. Il nous a ressuscité avec lui dans la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Mais celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans compter. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Qui prit du trou, fut conduit.
soit le Fils, agneau de la Pâque éternelle. C'est lui qui nous a donné l'Esprit sans mesure, car nous sommes son peuple, il est venu de son Achevons notre prière en portant devant le Seigneur les espérances du monde. Que Dieu dilate notre cœur aux dimensions de son amour. Après chaque intention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as dit, heureux les cœurs de pauvres, car le règne de Dieu est à eux. Donne-nous de vivre dans la simplicité et le partage. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as dit, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Donne-nous la force de la douceur dans les conflits quotidiens. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as dit, heureux ceux qui ont faim et soif de droiture, car ils seront rassasiés. Donne-nous de vivre de ton amour, car tu es le frère qui nous conduit sur le chemin de la vraie vie. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as dit, heureux ceux qui pleurent, car ils seront réconfortés. Donne-nous de partager les larmes de nos proches et de chercher ensemble le chemin de l'espérance. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as dit, heureux ceux dont le cœur est sensible à la misère, car Dieu leur ouvrira son cœur. Donne-nous d'imiter ta compassion et ta miséricorde. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Libère-nous de toute attache inutile et de toutes nos idoles et unifie notre cœur en ton amour. Seigneur, exauce-nous. Seigneur Jésus, tu as dit, heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Que cette paix intérieure puisée en toi soit une force de pardon et de réconciliation. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions particulières en notre cœur, nous souvenant que la parole de Dieu est vérité. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps pascal. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
et que le Seigneur Tout-Puissant, dans sa grande bonté, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Et sa gloire s'élève plus haut que les cieux.